Nous avons appris que la Tunisie avait arrêté ses liaisons, que British Airways a arrêté ses liaisons, Ryanair, Malte. Donc il y a manifestement aujourd'hui une décision à prendre s'agissant de la Corse, et en tout cas c'est la position que nous avons été quelques-uns à défendre. Mais il faut dire donc que sur ce point-là, il n'y a pas consensus. Il n'y a pas consensus non plus sur la fermeture des établissements scolaires à l'échelle de la Corse. En revanche, ce dont chacun est convaincu, c'est qu'il faut qu'il y ait une prise en compte de la situation de la Corse pour définir une stratégie.